Lake Festival. It is Bangkok's legendary and the most favorite culinary festival. This year, Anantara Siam has partnered with San Pellegrino and Gastronauts Asia to invite 13 celebrated chefs from the top Michelin star restaurants from 9 countries. Welcome to Bernard Buck. Donc pour le premier plat, je vous ai fait une crème d'oignon douce avec une eau de tomate gélifiée, du crabe avec lié avec un petit peu de, comme une mayonnaise avec du, un petit peu de curcuma, un petit peu de pâte de curry rouge et un petit croquant sésame. Pardon. Pour cette recette donc, j'ai fait confire des oignons dans du beurre. Une fois qu'ils ont été bien confits et assaisonnés avec un petit peu de fleur de sel, je les ai mouillés avec un petit peu de fond blanc de volaille, un petit peu de lait, un petit peu de crème. J'ai fait bouillir le tout et j'ai mixé pour obtenir une crème d'oignon, tout simplement, que je vais maintenant verser dans des petits ramequins. Chef, correct me if I'm wrong. Vous me dites si je suis tort. Alors, on a onion cream, les oignons. Oignons confits. Oui. Oignons confits, candied onion. Ouais, avec, et mouillé avec un fond blanc de volaille. With a broth of chicken. Thank you. Additionné de lait et de crème. On fait bouillir le tout. On met de la gélatine. Et après. Then we add the gelatin. Et là, on va laisser prendre au réfrigérateur environ 3 à 4 heures. Then we will put it on the fridge for 3 to 4 minutes. Chef, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi ces plats-là et non pas d'autres? Parce que j'adore l'oignon. The chef, he loves onion. That's why he chose this yes. plate too. J'adore l'oignon et l'ail parce qu'il y en a beaucoup sur la région de Toulouse. Et j'ai la chance d'avoir mon père qui me fait un très gros jardin avec beaucoup de légumes et qui m'amène environ 2 fois par semaine me livrer au restaurant. Donc je profite de tous ces légumes à lui pour pouvoir m'inspirer dans ma cuisine aussi. So the reason why he choose to have onion and in this plate is because in his region Toulouse, it's very famous of like these kind of ingredients that he's using today, and also because his dad, he owns a garden where he plants all these ingredients. Not just onions. No, not just onion. All the ingredients that he's using today. Okay. Après vous. Donc là, on a obtenu une petite crème gélifiée à base d'oignon. After we cool down the onion cream. Voilà, donc là j'ai pris tout simplement des tomates que j'ai épluchées, mondées plus précisément, c'est-à-dire ébouillantées, rafraîchies. Pour avoir l'eau de tomate. Pour enlever la peau, mixer avec un petit peu de sel et monter à une température de 60 degrés. Après, c'est filtré dans un torchon étamine et on obtient donc une gelée d'eau de tomate que on va déposer. Here he will add on top of his onion cream the tomato water that he made by himself in the kitchen. Voilà. Et ça, maintenant, on va le remettre au réfrigérateur pendant environ une petite heure parce que ça va prendre relativement vite. D'accord. Hein? Une eau de tomate gélifiée. D'accord. And now he will put it again in the fridge for over an hour and then he will come back to us. Ok. Alors après, on va prendre un petit peu de crabe que l'on va émietter légèrement avec la cuillère. Here he's putting crab. Voilà. Crab, okay. Yes. Yes. On va le lier. That he already on va made le lier avec une petite mayonnaise à base de pâte de curry et curcuma. And here his mayonnaise is made. Actually, he put in his mayonnaise curry and turmeric. Turmeric. Yes. On va ajouter un petit peu de ciboulette ciselée.
D'accord. The dill. Voilà. He adds some dill on it. Oh, dill? Yes. Voilà. Et après, on va tout simplement poser. D'abord, je vais mettre un petit peu de zeste de citron vert râpé dedans. Then he will add some lime on top of it. And is this dish an appetizer? Yes, this is a starter. What? It's actually passed already. Yes. Magic with our chef. Mise en place. Et après, je vais faire une petite quenelle, comme ceci. Then he will make a small ball on top of his onion with tomato water. And what he has in the spoon is the crab meat already mixed. Yes, yes, with curry and mayonnaise. And on va déposer quelques herbes dessus. He will put some herbs on top of it. Avec un petit peu d'aneth également, parce que j'adore l'aneth. Comme ça, je préfère vous le préciser de suite. Chef, yeah. Est-ce que vous pouvez me rappeler encore une fois le herbe que vous avez mettre au premier? Oui, ce sont des petites pousses de soja. Ah, et soja. Et de l'aneth. Voilà. Soja. Après, dessus, on va mettre un petit croquant de sésame pavot. Donc ça, c'est une... exactement, c'est du glucose, du beurre, un petit peu de lait, butter, qu'on va faire fondre. Some water, then we will make it as a broth. On va ajouter après le sésame et le pavot. Then we add some sesame and le pavot, voilà. Le paper. Sésame et pavot, ouais. Yes. Et après, on va cuire ça à 180 degrés pendant environ 7 à 8 minutes jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte comme ça. Oh, d'accord. Voilà. So we will cook it for 5 to 6 minutes until we get like that texture that he's having. It's a little bit crunchy. You're talking about the crunchy bit. Yes, on top. Yes. And that has sesame seeds and poppy seeds. Yes. Voilà. Voilà. Alors c'est quelque chose dans ma cuisine. J'aime beaucoup les assiettes creuses. Le repas que je vais servir, notamment mercredi et jeudi. Pourquoi je travaille beaucoup dans l'assiette creuse? Parce que moi j'aime manger avec une cuillère. Donc ça c'est quelque chose qui se mange avec une cuillère parce que on prend l'ensemble du plat et tout arrive dans la bouche. C'est pas compliqué et c'est efficace. Et ça c'est ce qui me plaît. The reason why he choose to have place like a bowl, it's because he likes to eat with a spoon and it makes the eating the dish way more easier than having a flat plate. Ce plat-là, est-ce qu'il a un aroma qui est très spécial, dès que vous dégustez ce plat-là, ça vous fait penser de cet aroma-là? En fait, ce que j'aime, c'est l'acidité de l'eau de la tomate qui vient se mélanger avec l'oignon. La douceur de l'oignon, l'acidité de l'eau de la tomate, parce que je rajoute aussi dans l'eau de tomate un petit peu de jus de citron pour amener cette acidité. Et après, je viens un peu le marier avec le crabe, qui est quand même un goût prononcé. Et c'est vrai qu'entre l'eau de tomate citronnée, la crème d'oignon qui est douce et le petit croquant sésame pavot, je trouve que l'association est assez juste et gourmand. The special thing that actually he adds on his tomato water is some lime, because he likes the taste of like when you put both the tomato water and the lime. And it's actually in all his plate, like the taste is like the mix of these two that gives this kind of flavor that he prefers and he likes on this particular dish. Pour votre menu, est-ce qu'il a l'aroma qu'il a, est-ce qu'il est adéquat avec le crabe que vous avez là-bas ou bien c'est... Oui, tout à fait. Tout à fait, nous on travaille beaucoup sur du tourteau, en règle générale, on travaille sur du tourteau qui est frais, qui est poché, qui est cuit dans un bouillon de légumes.
bien poivré, et après on le décortique, et c'est vrai que ça se marie très bien avec le poisson. Mais ça pourrait aussi se marier par exemple avec une petite de la langoustine, tout ce qui est crustacé, tout court, etc. Ça se marie très très bien avec la crème d'oignon. He thinks that all the flavors that he put on his dish, like the lime and the tomato, goes like perfectly with the crab, because you know we always add some lime to our seafood. So that's why like the flavors goes together with everything.